Le régime de catastrophe exceptionnelle présente une première difficulté parce que comme il est réfléchi comme le régime actuel des catastrophes naturelles, c'est qu'il impose aux personnes qui seraient couvertes par ce régime de cotiser elles-mêmes par des primes. Donc on demande un effort financier à des personnes en fait qui ont pu subir avec la crise sanitaire des pertes financières importantes. Donc leur demander de réinvestir dans un régime pour l'avenir est une difficulté. Ensuite, le second problème est aussi un problème de financement, c'est qu'il faut un financement aussi en partie étatique. On ne pourra pas demander uniquement aux entreprises de cotiser sur un régime qui les protégerait elles seules. Et ce financement étatique, qui fait comme une mesure de solidarité nationale, qui s'applique déjà s'agissant des catastrophes naturelles, pourra poser difficultés et donc inciter déjà les entreprises à mieux épargner pour se protéger est un des premiers réflexes et c'est celui qui a été préconisé en l'accompagnant d'un gel des primes pour l'année 2021. L'assurance des catastrophes naturelles et des risques climatiques implique des sommes extrêmement importantes. On voit en fait qu'en 1999, 13,8 milliards d'euros ont dû être payés par les assureurs en indemnisation des sinistres de l'année du fait des tempêtes importantes. Comment lever des fonds et des sommes très importantes? La titrisation est un des éléments, une des solutions. Ça veut dire qu'on renforce la prévention, on renforce en fait les mesures qui sont faites pour éviter les risques, mais une dose de titrisation me semble utile et il y a effectivement le risque qui est mis en avant, des risques des marchés financiers. On soulève que si on veut prendre en charge des risques qui sont eux-mêmes en fait d'une fluctuation importante, prendre en la rémunération des marchés financiers comme référent est une idée qui est saugrenue. Ce n'est peut-être pas une idée aussi inattendue que cela. Par contre, effectivement, il ne faut pas que ce soit l'intégralité de la politique qui soit mise en place sur cet aspect. J'insiste sur l'utilité de la prévention pour les assureurs pour en fait limiter les sommes à verser et pas seulement chercher des fonds pour payer les sinistres. Les mesures en fait de prévention qui sont prises par les particuliers sont très utiles. Regardez, on vous conseille en fait de fermer vos fenêtres pour éviter un vol dans votre appartement quand vous partez en week-end ou en vacances. Eh bien, des mesures simples pour éviter la propagation d'une inondation, pour ne pas avoir à subir un sinistre climatique pour une entreprise ou pour en fait un agriculteur, en mettant en place une politique de production industrielle, de production végétale qui soit adaptée au climat, adaptée à la région, qui tienne compte en fait de certains excès. Ces mesures de prévention qui se font par le relais public, je pense par exemple pour les particuliers au site Géorisque, qui met à la connaissance des gens des mesures de prévention simples à prendre en cas d'inondation ou de grande tempête pour se protéger et limiter en fait l'accidentologie, ne pas prendre sa voiture en cas de foudre par exemple. Tous ces conseils-là qui sont relayés par des institutions de prévoyance, par en fait par exemple la prévention, les associations pour les risques routiers, les syndicats professionnels et puis aussi par les assureurs quand ils proposent leur garantie de bien expliquer en fait ces mesures à leurs clients et pour cela le relais des intermédiaires d'assurance que sont les courtiers et les agents généraux sont à mon sens de très bons moyens de favoriser ces mesures de prévention en plus évidemment des mesures étatiques.